Tuning étant intervenu, l'autre bois, voyez soldat, voyez et la trier. Ah, bah bon, mon Dieu, bon, mon bral dim, c'est pas même un jeu géopolitique, vous comprenez, mon bral dim, Haïti pas gagné même poids, ça peut se comprendre. Mais n'a pas parlé là, d'un pays qui dit, les ses amis, nous. Et nous sommes en guerre, tout au moins, les gangs armés sont en guerre contre le peuple haïtien. Mission multinationale de soutien à la sécurité. C'est non mission ça qui doit incessamment rentrer dans le pays après vote Nations Unies le 2 octobre dernier. MMSS. Mais attention, s'il est vrai que c'est Conseil de sécurité Nations Unies qui autorise, mais c'est pas une mission onusienne. Jean Satéi avec bien entendu ministre Tara exemple. Et on dit avec une période initiale de 12 mois, ça veut dire un an, mission Bralvin là pour les arranger, installer. Et objectif là, c'est qui ça? C'est d'abord soutenir PNH là, dans la bataille où on dit à mener contre les gangs armés, le grand banditisme. Et puis, sécuriser un ensemble d'infrastructures dans le pays. Sécuriser l'école, sécuriser les aéroports, sécuriser les ports, les hôpitaux, les routes et la trier et créer conditions de sécurité, un climat de sécurité pour capable gagner élection en d'un pays. Amba bon menti. Depuis après vote ça, ouais c'est la joie qui sous tout visage monsieur Damio en d'un gouvernement. C'est comme un ouf de soulagement pour l'équipe gouvernementale. Ah, communiqué sorti la primature, le ministère des Affaires étrangères réagit là pour dire saluer le vote du Conseil de sécurité des Nations Unies. Monsieur Damio content dans le pouvoir, c'est que blanc bras le venir. Et c'est pas seulement eux même en dans équipe gouvernementale là. Il y a un pile haïtien qui jusqu'à présent pensait que après toute ça n'y a là comme tableau et qui vient empiré de 2021, de juillet 2021 à Jodia, après tout ça essayé déjà et que pas gain aucune amélioration, seul volet crété là, c'est volet blanc. Gampi la haïtien qui croit que Jodia fok blanc vini. Si blanc ka permettre que yo sorti la nuit, yo rentre les lidé ou di, yo sorti les ouvle, y a bzou que blanc vini. Si blanc ka permettre que yo sorti centre-ville de Port-au-Prince, yo allez la plaine, quoi des bouquets, tabac et autres. Les ouvrez la lidé ou di yo, y a bzou fok blanc vini. Si blanc ka permettre que yo passe mentissant à l'aise, ça n'a pas besoin à payer et depuis 7 heures du soir, côté machine rivière, l'obligé de camper parce que Matisse enfermé. Si blanc a vini pour retirer ses tirs, ça y a que blanc vini. Si blanc a vini pour permettre que vous passez canaran à l'aise, puis aller sous ce mat la cabaret en caillé sans pas gagner un groupe gang qui est en tête li, Jeff, qui pral terroriser, y a du fort blanc vini. Si blanc a permettre que vous passez Mon Cabrit pour accéder à National numéro 3 pour aller plateau central à l'aise, y a du fort blanc vini. Si blanc a permettre que yo retourner à vivre dans caillou gagner que ce soit Pernier, Torcel ou autre, y a du fort blanc vini. Si blanc a permettre que Badelma tout business fonctionne normalement, on client qui aller dans business li acheter sans moindre difficulté, sans aucun souci, y a du fort blanc vini. Et de fait moi-même personnellement, moi parlé avec plusieurs citoyens et citoyennes dans la diaspora qui conditionnaient venir dans le pays d'Haïti à intervention force multinationale, ça guerrier du seul. Par exemple, moi il y a des membres de la diaspora qui dit ah, mon cher blanc braler si vini si blanc vini descend là dans pays. Donc c'est pour vous dire comment que gagne des monde tout qui croient cette force multinationale dont on parle, li capable de porter quelque chose dans la bataille contre l'insécurité en dans le pays. Mais, il y a un rebondissement là-bas au niveau du pays Kenya. C'est vrai, Kenya n'est pas le seul pays
qui prêt pour déployer policiers dans quatre forces multinationales ça. Il y a entre autres Antigua et Barbuda, il y a la Guyane, il y a Bahamas, il y a Jamaïque, il y a Suriname, mais attention hein. Nous pas parler de n'importe pays qui gagne rebondissement à la Cali dans quatre dossiers. Ça n'a pas de Kenya qui lui-même décide de prendre tête mission. Et l'ordre dit prend tête en mission multinationale, même si moi pas connait en bas yo, mais il veut dire ça, il veut dire. Donc c'est comme le corps humain. Donc si tête là a gros problème, donc pas attend nous et bien que l'autre reste corps après capable fonctionner comme il se doit. Donc si c'était Antigua et Barbuda, si c'était la Guyane ou bien Bahamas, Jamaïque, Suriname qui a un problème la caillou qui t'a empêché yo déployer policiers ou bien militaires yo proposer yo dans cadre force multinationale ça, c'est certaines considérations nous allons faire maintenant là, nous t'ai droit pas faire. Mais leur a parlé de Kenya qui lui-même officiellement paré ou bien prêt aller prendre tête mission, qui lui-même gagne gros blandel dans les États-Unis qui dit adelanté nous d'ailleurs, qui lui-même à travers document dit que nous assure blanc que c'est lui-même qui va le mener mission, qui va le diriger mission, et puis il y a des bails qui a passé la caille dans cas de disposition que doit prendre pour mission en venir ou bien pour le déployer policier ou bien pour le prendre tête mission officiellement, ça doit préoccuper, ça doit intéresser le badon. Jusqu'à ce que matin hein, nous en droit pour nous poser certaines questions et y en là dedans yo. Pour combien de temps encore nous devons tant souffler pour nous capable espérer pour toute bon vrai fois ça on force multinationale dans un pays qui pouvait venir de bataille contre gang. Parce que pas oublier non guerrier du seul. En octobre 2022, les deux mandats étaient formulés officiellement. T'as gagné des objectifs bien spécifiques qui étaient écrits dans le document ou bien dans lettre là si vous voulez. Donc personne n'oserait croire que un an plus tard nous étions toujours dans l'incertitude. Souvenez-vous faut ça dans le pays d'Haïti. En guise de rappel, et c'est important, les rappels ne tuent jamais. On bral dou ça qui t'est passé. On connait remet ça Grégory Lubin. Dans moment Ariel Henry ak équipe li, équipe ministre dans gouvernement te fait conseil des ministres ça. N'a pas rappelé pays a été dans gros kachouboumbe. C'était époque principal terminal pétrolier pays à Vareux dans commune Cité Soleil, bandit était bloqué, bandit était pris en otage. Ça qui était vite gagné de grandes conséquences sous un ensemble de secteurs dans pays. Axe routier principal côté machine doué passer. Yo bloqué. Bon ensemble de côté, par exemple, un port, aéroport qui était inaccessible. Il y a l'oxygène qui était bloqué au niveau de Port Lafito qui pas arrivé dans l'hôpital. L'hôpital pas fonctionné parce qu'il y a un problème de carburant. Sonapi là, parc industriel Sonapi. Il y a plusieurs entreprises qui sont obligées de camper travail parce qu'il n'y a pas de matière première, il n'y a pas de carburant pour faire génératrice fonctionner, pour faire des machines fonctionner. Donc, quand c'est le monde, tu vois la caillou, mais tu vois en disponibilité, sans solde. Donc, tu as un gros impact. C'était vraiment une crise humanitaire. Et que le monde qui te prévoit que le tabral aigu dans le jour que tu as le suivi. Donc, c'est dans l'époque, ça, Ariel avec l'équipe réunie. Et puis, ils ont demandé le concours international là, parce que Ariel Henry a avoué, dans une adresse à la Nation Lyon dans l'époque là, que ils ont été dépassés par les événements. Les amounes prennent la rue au niveau de Port-au-Prince, moun prennent la rue dans Cap-Haïtien, moun prennent la rue dans Tigouave. Pays lock pendant plusieurs semaines, l'école pas qu'à l'ouvrir, rentrée judiciaire pas qu'à faire, pays a pas un nouveau budget, nous pas de parler de année fiscale. Avez dit, c'est ton pays qui était pas ouais moi non mais. Donc Ariel au plus vite avec équipe était réuni pour dire blanc venez d'en. Pour dire blanc n'a péri. Pour dire blanc si pas gagne une intervention qui fait au plus vite, mais ça qu'a passé. Donc, pas de monde qui te croit que force internationale, ça, force étrangère, ça, côté de force militaire, force multinationale, ça, l'État pral prend tout le temps ça pour vivre dans le pays. Parce que nous sommes là tout au début. Vendredi 6 octobre, qui se passe là, on va mettre le fait guerrier. Il fait exactement un an.
depuis que tu as formulé demande là officiellement. On croit l'être là t'est allé au lendemain soit le 7 octobre 2022. Et nous tout est au courant, ça m'a pas besoin de retourner sur lui, sur ça que t'as fait à l'échelle internationale. Réunion faite, on comprend, conseil de sécurité réuni, en pile, tractation diplomatique, on comprend, bataille a fait, et la trier. Pourtant, hein, et me voulait by James Pierre crédit ça, pourtant, gardez ça qui a passé en Israël et Palestine là. En moins de 48 heures, les États-Unis étant intervenus, l'autre bois, voyez soldats, voyez élatriers. Ah, bah bon, on dit, bon, on ne peut dire, c'est pas même un jeu géopolitique, on ne peut pas dire, Haïti n'a pas le même poids, ça peut se comprendre. Mais on a parlé là, d'un pays qui dit, les amis, nous. Et nous sommes en guerre, tout au moins, les gangs armés sont en guerre contre le peuple haïtien. Parce que l'on parle de toute gang ça yo qui plus que 190 et il y a monde qui parle de 200 gangs cap théoriser et des fois qui a simé la trouble en même temps et c'est la population civile qui paye frère mon a mouri mon a assassiné nous autres bay tableau là et puis on peut dire les amour qui toujours impliqué jouk dans zone tout ça qu'a fait et puis il y a eu printemps, il y a passé dans la tête, 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 jusqu'à ce qu'un arrive là. Pour qui ça t'a l'air, nous t'a posé question. Est-ce que force là, l'est pour demain? Est-ce que l'est pour novembre qui vient là? Est-ce que l'est pour décembre? Est-ce que l'est pour janvier? C'est l'incertitude totale. Pour qui ça? Dans le pays Kenya, amis auditeurs, qui s'est coté, qui t'a dû prendre tête mission, hein? Pour les gens qui font guerrier Dieu seul, il y a des membres dans l'opposition qui d'ailleurs te disent très inquiets avec cette question de déploiement policier kenyan dans le pays d'Haïti. Et l'opposition politique là dans le pays, ça, te exige souvent des explications claires, nettes et précises du gouvernement kenyan en façon d'après Saoudi pour ne pas exposer force de l'ordre kenyan qui d'après yo pas assez préparé pour une telle mission. C'est l'opposition politique kenyan qui a parlé, c'est pas moi. Et dans un moment, monsieur a exprimé qui est studio, mais monsieur Damio au niveau de l'opposition politique au Kenya, il a dit que gagner un volet extrêmement important que le gouvernement kenyan n'a pas oublié. Est-ce que déploiement policiers ou bien militaires kenyan dans le pays d'Haïti sont bagay qui conforme si vous voulez à sa loi dans le pays kenyan yo même yo exige et la trier parce que opposition li même te clair que pour une décision comme ça ta sorti bon côté gouvernement kenyan pour déployer des soldats ou des militaires ou des policiers si vous voulez kenyan dans cadre de mission en Haïti l'état doit bénéficier de l'approbation du Parlement kenyan. Et yo brandi un cas similaire, c'est le par exemple Kenya t'a voué force de l'ordre dans le pays Kenya, dans l'autre pays qui c'était Libéria. Mais ça dit, yo dit ah, faut gouvernement pas le fond, non? Faut gouvernement te qui freine. Parce que si par exemple yo a décidé de manière unilatérale voyez des soldats, des militaires ou des policiers kenyans dans le cadre de mission Haïti, c'est pour bagay illégal. C'est pour violation de la loi pays kenyan. Parce que le gouvernement doit bénéficier de l'approbation du Parlement. Et il a rappelé que ça a été fait déjà dans le moment où Kenya a été voué force lui-même dans le pays Libéria. Et dans l'intervalle, bagala chambade dans le gouvernement, gon ministre qui c'est ministre affaires étrangères, guerrier de seul, j'ai perdu job. Ça a été très chaud devant Banana et dans le dossier Haïti. D'ailleurs, au lendemain du vote du Conseil de sécurité des Nations Unies, citoyen Satan a annoncé que toutes dispositions pour le prendre là, eh bien, pour Fostal lui-même, il est capable de passer de rêve à réalité.
mais monsieur perdit job li. Bon, t'es venu gon remaniement ministériel dans même moment ça. Changer de poste. Il y a monsieur sorti comme ministre affaires étrangères. Pourquoi monsieur aller dans tourisme oui, et n'a pas rappelé que monsieur son ancien journaliste, il dit monsieur bon comme moi mais parler avant un show de vendre à parler de Haïti dans ba Kenyaza et ben nouveau là. Al parler al vendre pays sur le plan touristique. Et déclaration monsieur, on a parlé là de monsieur Alfred Mutua concernant déploiement troupes kenyanes dans le pays d'Haïti. Il dit c'est ça qui est à la cause que transféré monsieur dans le ministère du tourisme. Dernier goutte de l'eau renversé vase là ou bien dernier coup tout et coucourage Jean Mounio Takadil, c'est que la guerrière du seul pendant dernière 24 heures ça yo information yo fait quoi que gagné en pétition yon parti politique qui relait Alliance Troisième Voie, eh bien, dans le pays Kenya, qui met ensemble avec une série de l'autre personnalité, pas des moindres, de grandes personnalités, yon déposé, eh bien, pétition ça, dans le plus gros instance judiciaire dans le pays ça. Et après pétition, la Cour suprême kenyane, mes amis auditeurs, décide de bloquer, et ceci jusqu'à 24 octobre, déploiement policier kenyan yo, qui t'a dû participer dans la force multinationale ça, qui sont forces d'appui à la sécurité en Haïti. Donc ça, vous l'avez dit qui ça? Jusqu'à 24 octobre 2023, pas une autorité kenyan qui a permis de prendre un soldat, un policier kenyan, pour le voir dans le cadre de force en Haïti. Et ça, maintenant, intelligemment, il y a un monde qui a dû dire, bien, ok, pas un problème. Après 24, bah, possible. Mais non, faut que la Cour prononce. Avez-y, c'est en attendant. Hein? Donc, la Cour après l'apprécier, il prend peut-être un argument, même j'en peut-être ça a fait pour le programme Biden, non, supposé. Bon, par contre, si mal parti, j'en ai conseil de l'État qui a attaqué le programme, non, qui est à mettre devant le juge là, attend deux parties qui viennent avec argument pour faire confrontation, après ça, vous le décidez. Je pense que son bail est consacré à le fait, oui. Donc après 24 octobre, donc attends, on va comme ça. Comme parti politique là avec et l'autre personnalité yo déposer document ça, juge la pral gagne pour l'apprécier document ou bien juge yo dans la Cour suprême non, yo pral venir avec des arguments, autorité gouvernementale yo, le gouvernement kenyan pral gagne pour venir à document pas, l'autre parti a venir à document pas yo et puis après ça pour juge la trancher. Donc pas grand rien dit dans décision pral sorti là après yo fini initier ça comme processus judiciaire que le pral autoriser Kenyan pour non seulement prendre tête mission mais tout pour déployer militaire ou bien soldat ou bien policier Kenyan dans quatre forces multinationales ça. Donc ça veut dire qui ça? Ça veut dire jusqu'à présent dans question force multinationale ça dans pays d'Haïti haïtien doit tan population haïtienne doit tan citoyen haïtien doit tan encore. Pour qui ça? Parce que c'est pas ni Jamaïque qui a un problème ça la caillou là, c'est pas ni Suriname qui ont même proposé des soldats ou des militaires, son pays qui prend tête mission mais qui doit prendre tête mission. Donc ça cap dit dans pays Kenya là, ça cap dessiné dans pays Kenya là, li très préoccupant et li déterminant pour le futur ou bien pour l'avenir de cette mission multinationale. Grégory Lubin, il me veut moun yo comprendre ça. Ou pensez que si mission en tape vini on exemple en novembre ça va ka retarder moi quoi dur comme faire que le gagne incident sous lui si il tape vini en décembre ou pensez ça va ka retarder si il tape vini en janvier par exemple ou pensez ça va ka retarder et pour Jean Bala la guerrier n'importe jour ne prend encore m'pa bon menti li gen conséquences sur réalité sécurité pays ya. Donc ça veut dire cette question de force multinationale de blanc de bail j'aime pas bon menti les provoquer encore une fois des doutes ou bien les permettre que monde qui était incrédule qui était sceptique yo renforcé position même si guerrier Dieu seul moi même moi gain position sur question force là. Parce que même j'ai un groupe en de pays qui croit que
pendant temps ça si nèg yo t'a agi ne serait-ce qu'à court terme sous la police là bon comme yo pas mettre l'armée non bagay yo yo yé seul on seul bagay nous t'a manqué seulement la volonté politique et puis après ça a faible moyen que nous gagnons certain nous pas pral dire que nous t'a pral fin à tout bagay Jean Fataka dit fin à insécurité nous pas pral dire que tout bandi t'a pral hors d'état de nuire nous pas pral dire que pas t'a gagne grand ravine pas t'a gagne village de Dieu nous pas dire pas t'a gagne et torsel canaran mais c'est certain nous devons empêcher des bagages qui permettent gang yo vinn prendre confiance dans pays. Donc n'a pas ce temps n'a bolosé faut équipe grimace fait éteint tonne blanc mais un arrivé sous nous là situation détériorée. Nous allons prendre 6 mois encore. Nous allons prendre 2 ans encore. Et bon Dieu pas camper. Guerrier du seul, moi c'est un rare haïtien pour me pas dire parmi haïtien qui croit que gen baga la police ta ka voter comme réponse. M'pas naïf, même quoi dans la police jusqu'à présent guerrier. Parce que l'aime considérer tout ça gen comme problème. Si n'essayer résoudre et gen pile na qui ka résoudre. M'pas bon mentir, la police ta gen doit pas efficace à 100% parce que gen des problèmes qui doivent structurel dans sens que c'est pas jodi a existé. Mais la police ta tape plus efficace par rapport à Jean-Lier. Clair sur ça guerrier. Oui, c'est une volonté politique surtout. Et puis reste ba yon d'abagi sou yo ça qui problème interne au niveau de la police là il a trié. Parce que encore une fois j'ai me dit dernièrement. Mais certains les blancs viennent là pour aller dans bataille, il a pris pas dans bataille ils ont pour. Parce que position, parce que personnellement, mais certains les blancs viennent là pour bataille vite l'homme pour. Il va rentrer et balati bonite pour. Et même les tagué opération comme ça, c'est la police qui est devant. Non mais c'est pas sans raison, il dit il vient aider la police. De toute façon, c'est la police là. Elle dit c'est la vienne et puis la police dans chute, elle pas planifier qu'une opération. Ouais, un an qui a passé, 2 ans passé depuis tout là. Comprenez? Donc ça veut dire que ça. À chaque fois on senti qu'on pas qui fait dans question mission ça, en avant ou senti qu'on l'autre qui fait en arrière. Qui vient faire que ou même qui gagne des responsabilités comme autorité jodi a sous chita sous l'ori ou bien calbende pensant que blanc lui-même li pral venir dans le plus bref des délais pour venir donc résoudre série de problèmes la caillou mon choc a saisi ou non illusion ou bien t'es non illusion. Donc en guise de conclusion guerrier du seul nous pensons que jodi a là nous on doit pour nous poser question sur maximum temps vous comprenez mission ça les même ta devenir en Haïti puisque autorité on y autorisé déjà. Mais l'en considérer toute sa cap dessinée là dans le pays Kenya, nous en droit tout pour demander tête nous, pour combien de temps nous devons être encore. Après plus passer 1 an d'attente. Et moi-même personnellement, guerrier du seul, sous-mandé, je pense que nous après tout 1 an, si jamais blanc a venu de nous, vous venez de nous, vous venez de nous. Je pense ça. Peut-être que je pense qu'il a fait 10 jours là-dedans tout. Ça, il faut le dire. Mais je pense qu'il a pris tout le temps ça. Et n'a parti là pour 1 an plusieurs jours, peut-être qu'il va gagner 1 an 2 mois, 1 an 3 mois, et le 16 janvier 2024. On va me connaître. Est-ce que la police, est-ce que le gouvernement Abjishita, Abton, ou bien en attendant que soutien ça, qui peut-être t'a bien venu, puisque la police là, il a besoin de moyens, besoin de formation, besoin de matériel pour renforcer capacité opérationnelle. Mais en attendant le vini, qui s'en a fait?